Vous l'avez écouté depuis tout à l'heure, c'est lui qui nous a fait notre introduction pour ce direct sur le festival de blues. Parle-nous déjà de toi et de ton groupe. Je m'appelle Olivier, en fait, voilà. J'évolue sous le nom de Tinky 8, donc le 8, il faut le dire en anglais, ce qui fait un jeu de mots, ça s'appelle T'inquiète, en fait. D'accord. Voilà. Bon, moi, j'évolue en one-man band, c'est-à-dire que je suis tout seul sur scène. J'ai un pied qui fait la grosse caisse, un autre pied pour le charlet, un petit peu d'harmonica, guitare et chant. Donc ça, c'est ma partie musicien. Après, j'ai la raison pour laquelle on est ici, c'est le stand de nos instruments, des cigar box guitare. C'est basé sur l'histoire du début du blues, en fait. À l'époque, bon, je vous résume un petit peu vite fait l'histoire. Milieu du 19e siècle, les fabricants de tabac envoyaient le tabac dans des grandes malles ou des grands sacs. Et du milieu du 19e siècle, ils ont roulé les cigares et les ont envoyés, conditionnés, dans des petites boîtes. Les gens n'ayant pas beaucoup d'argent pour fabriquer des instruments, prenaient ces petites caisses qui sont en bois, qui offrent une bonne résonance pour jouer, mettaient un manche à balai dedans, une corde et... Alors ici, on peut en acheter ici au Festival de Blues ? Alors on a un stand cette année, c'est la deuxième année qu'on a le stand sur le festival. Il y a moi qui est là avec mon ami Marcellus, qui est de Cognac. Donc l'année dernière, j'étais passé juste une journée parce que moi, je devais repartir. Je partais sur La Rochelle, donc je n'étais resté qu'une journée. Un petit peu déçu de rester qu'une journée l'année dernière. L'ambiance était vraiment super et tout. Du coup, ils nous ont proposé de refaire le stand cette année. Donc voilà, cette année, je suis sur toute la durée du festival. Là, je repars samedi parce que je repars. Moi, je joue dimanche, plus par chez moi, du côté de Dax parce que moi, je suis sur Bayonne. Et voilà, donc là, on a un stand hyper bien placé en face de la scène en bas, du milieu du village. Superbe. Les bluesmen viennent jouer sur le stand aussi. Alors, c'est super pour nous parce que première journée, il y avait des musiciens comme Révérend K. Williams ou Révérend Patton ou des gens comme ça qui on s'était dit, bon, on espère qu'on va pouvoir les rencontrer. Les premiers jours, tout le monde est venu sur le stand, alors bœuf toute la journée. L'avantage, c'est que les artistes restent plusieurs jours, donc ils ont le temps de prendre le temps de venir découvrir les choses. Et on a pas mal d'artistes, en fait, finalement, cette année, qui servent de cigar box guitare aussi. Il y a pas mal d'instruments fabriqués maison, quoi, en fait. Du coup, tout le monde passe au stand, tout le monde essaye des choses, on a le matériel à disposition. Alors, des bœufs improvisés à longueur de temps, c'est superbe. Merci. Ça nous a fait plaisir. On va te laisser retourner. Ouais, là on m'attend. Là. J'ai juste travaillé. Ouais, voilà. Et c'est vraiment sympa d'avoir fait ça pour nous, pour notre plateau télé, et puis pour Cognac Blues Passion aussi. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Ça fait super plaisir. Moi et Marcellus, qui tenons le stand, on tenait à remercier Michel Roland pour nous avoir invités encore cette année. D'accord. C'est super important pour nous pour aider à développer tout cet esprit de cigar box guitare.